On s'est dit, tiens, si on, pour s'amuser, on faisait un comics à distribuer justement au moment du TGS. Tous les personnages qui sont dans le comics, c'est nous. Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Anjou Pop Corner. Alors c'est quoi, c'est une BD ou c'est un comics plutôt? Oui, en fait on a un collectif qui s'appelle les VDK, d'accord, les Vengeurs de Kandor. C'est un collectif qui s'est créé grâce à John Ali en fait, qui à l'époque faisait des émissions sur le web pour tout ce qui concerne le Snyderverse. Et le Snyderverse dans le côté DC. DC, voilà. En invitant le directeur artistique du film, des acteurs. Ça déconne R quoi. Et Zack Snyder bientôt. Voilà, et peut-être Zack. Oui, tout à fait. Et donc John, il a lancé ce mouvement. Moi, j'ai récupéré l'équipe, c'est-à-dire tous les gens qui grouillaient autour de ce mouvement pour créer un réel mouvement. D'ailleurs, le premier TGS qu'on a fait, justement, c'était pour promouvoir le mouvement du Snyderverse. Ouais. Et on est parti sur un délire entre nous, vu qu'on est tous des amoureux de comics et de super-héros, et qu'on avait dans notre escouade des dessinateurs. J'ai dit, tiens, si pour s'amuser, on faisait un comics à distribuer justement au moment du TGS. Une chose en amenant une autre, mais on se retrouve maintenant à avoir créé une maison d'édition. Ah oui, carrément. Et voilà, et justement, on va sortir le premier tome des Chroniques de Kandor. Les Chroniques de Kandor, exactement. Voilà, très rapidement. Et là, ça y est, on a fait une campagne Ulule qui s'est soldée par un succès. Oui. Et donc, c'est pas mal, ouais. Et voilà, et donc du coup, on se retrouve avec une maison d'édition et plusieurs tomes, des stories origines. Là, on est parti sur créer un lore au complet. La campagne Ulule avait pour objectif quoi ? Un volume ou justement une... Mais c'était de lancer le projet. Donc on était parti sur ça. Effectivement, ça a lancé une dynamique autour de tout ça. D'ailleurs, Ulule nous a proposé de faire les prolongations. Ouais. Donc au moment où on se parle, on peut toujours faire des dons pour participer au projet. Donc c'est sur les Chroniques de Kandor. On a commencé tous avec nos chaînes respectives sur YouTube. Et puis on a commencé à se rencontrer sur les lives. C'était encore pendant le confinement en 2021, justement à l'aune de la sortie du Snyderverse, du Snyder Cut. Et puis on s'est rencontrés, on a vu qu'on avait... en commun sur toute la culture super-héros, DC, Marvel aussi. D'être fan, on est passé à... Parce qu'on s'est rendu compte qu'on était tous des artistes aussi à la base, on a tous un background artistique, soit dans la musique, vidéo. Et on s'est dit que ce serait bien qu'on mette ce background artistique pour trouver une espèce d'émulation, rencontrer d'autres artistes, parce qu'il y a plein... Il y a une équipe là derrière qui travaille aussi, qu'on salue tous, qui est fantastique, de réunir d'autres artistes pour nous aider à porter un projet. Et ce projet, c'était... parce qu'on adore justement commenter cet univers un peu geek. On voulait aussi en faire partie. Et quoi de mieux que créer sa propre histoire. Les films DC de Zack Snyder, ça vous a apporté quoi personnellement? Parce que j'ai l'impression que c'est... Ouais. Qu'il y a un fan club derrière, ça veut dire que Zack Snyder vous a apporté un petit peu quelque chose. Moi, je suis ami avec le directeur artistique. Ouais. Des films Batman v Superman et Zack Snyder Justice League, un ami Patrick Tatopoulos qui s'est occupé de créer la Batmobile, la Batcave, tout ça, Et puis les boîtes mères, enfin tout ça, il a vraiment travaillé sur toute cette partie-là. Et c'est vrai qu'on était fascinés parce qu'il y avait eu ce film qui était sorti en 2017, qui n'était pas le film de Snyder. Ouais. Et en fait, j'ai fait partie de cette. Très tôt de cette fanbase pour le hashtag Release the Snyder Cut. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens aussi en France qui militaient. Et on s'est rendu compte, on s'est tous rencontrés en fait avec nos chaînes YouTube. Et c'est vrai que ça a créé quelque chose. En fait, le Unfinished Job, Unfinished Business, ce film qui n'était pas sorti, a créé une espèce de vocation de justice d'aller chercher. Oui. Et d'avoir la vision d'un artiste qui soit enfin libre d'accès à tout le monde. Oui, mais surtout, il avait une vision. Nous, ce qui nous rejoint aussi, c'est la façon dont il amène les super-héros à l'écran. Oui. Cette iconisation quasiment divine des super-héros, c'est vrai que nous c'est quelque chose quand on voit... Surtout chez DC, en fait, voilà, DC qui est très, Marvel, très théologique. Voilà, Marvel qui est plutôt parti dans la comédie et le calembour, nous on aime cette partie mythologique. Mmh. Moi-même j'ai fait des études là-dedans, dans la théologie, la mythologie. Et d'ailleurs, notre comics, justement, on y a intégré ces éléments-là aussi. C'est-à-dire tout le sous-texte qui amène nos super-héros, ils ont tous de l'ADN d'ancien dieu, si tu veux. Et donc, mythologie grecque, égyptienne. Et alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le lore de la Ligue des Chroniques de Kandor? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les personnages qui sont dans le comics, c'est nous. Ouais, c'est-à-dire qu'on s'est scénarisé. Oui, bon, on s'est amélioré. C'est une version 2.0. Je vois.
Ah, il faut beaucoup d'imagination aussi. Ouais, on a demandé à des amis bodybuilders de nous prêter leur corps. Voilà, déjà dans un premier temps. Non, le truc, c'est qu'on voulait s'intégrer dans l'histoire. Et justement, en s'intégrant dans l'histoire, mais c'est vrai que nos personnalités, toutes ces choses-là sont rentrées là-dedans. Et c'est vrai qu'on est en train de vraiment créer un lore. Parce qu'au-delà au-delà de nos personnalités, tout le sous-texte, encore une fois, on y a intégré vraiment des choses qu'on peut retrouver dans l'archéologie interdite, qu'on peut retrouver dans l'anthropologie, qu'on peut retrouver dans la mythologie, et des choses que les gens vont pouvoir en plus vérifier sur Internet. Donc il y a presque un petit côté éducatif, pédagogique aussi à l'intérieur. Parce que souvent, moi, sur ma chaîne Geekologie Comics, par exemple, je décode le sous-texte des comics et des films et des séries. C'est-à-dire, j'explique aux gens, bah, tu vois, Wonder Woman, c'est Athéna, Flash, c'est Hermès, tu vois, Superman, c'est Jésus, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que là, on a fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on est carrément allé chercher les divinités et on les a intégrées dans genre l'histoire. Genre Artemis qui se bastonne contre Jésus, c'est ça? Il y a des trucs dans ce style-là. Mais c'est vrai que effectivement, quand on... Les gens qui vont lire, ils vont voir très vite parce qu'il y a aussi beaucoup de sous-textes scientifiques. Il y a des choses qu'on essaie d'expliquer. Nos personnages sont soit des archéologues, soit des scientifiques, soit des ingénieurs, soit ce genre de choses-là. Et on retrouve un peu tous les codes que tu vas retrouver dans les comics. Mais en plus, il y a un sous-texte un peu mythologique, historique, voire mystique, des fois. L'histoire de ce comics-là, c'est quoi? Une archéologue, en fait, elle recherche des artefacts. Elle recherche la 16e table de Thoth. Donc Thoth, qui est le dieu égyptien de la connaissance, qui aurait laissé des tables en émeraude, justement, pour éduquer les humains à certaines choses. Et effectivement, au moment de la découverte, donc elle décède et son fils récupère le flambeau. Il découvre la 16e table de Thoth et en la découvrant, il crée ce qu'on appelle dans le comics la grande activation. Et tous les personnages du comics, en fait, certains d'entre eux ont un ADN divin, c'est-à-dire qu'ils ont à l'intérieur de leur propre ADN, donc ça c'est des choses qu'on peut retrouver dans l'évolution quand on lit les anciens textes et tout, par exemple quand tu regardes les mythologies mayas, le temple de Teotihuacan, Teotihuacan veut dire l'endroit où les hommes deviennent des dieux. Donc effectivement, on parle de ce Quetzalcoatl qui aurait donné son ADN aux humains pour les faire évoluer. Il y a toujours des histoires de demi-dieux. Exactement. Qui fricote un peu avec deux. Quoi. Exactement. Et donc du coup, au moment de cette grande activation, tous les gens, si tu veux, qui ont cet ADN divin, ben, ça va se développer, ils vont développer des pouvoirs. Mais ce qui est drôle, c'est que ces gens-là se connaissent. Il y a des liens, justement, et justement, dans les story origines, on essaie de montrer comment ces liens se sont créés, le pourquoi du comment, on va pas trop spoiler. Et donc, justement, cette grande activation va faire en sorte que ils vont se retrouver devant leur géniteur. Les dieux vont leur expliquer que finalement ils ne sont pas des dieux, qu'à la base ils étaient des généticiens et qu'ils ont travaillé sur l'humain sur le plan de vue génétique. Ah oui, d'accord, oui. Et de l'autre côté, ils disent qu'il y a des dieux malveillants. Effectivement, il y a une espèce de société secrète qui, eux, récupère des artefacts pour pouvoir justement avoir du pouvoir. Et nous, notre but, c'est on est censé restaurer l'univers. Donc, d'accord. On retourne sur le restore de Snyderverse. J'avoue que c'est un peu un mélange de plein de trucs en fait. C'est un mélange de mythologie, de science-fiction, de fantasy, de trucs comme ça. Et que ça peut faire quelque chose d'hyper bien. Mais du coup, là tu me parlais par exemple de la maturité et de fait de traiter sérieusement le sujet. Est-ce que cette maturité en fait dans l'écriture et dans le développement des personnages et de l'histoire, est-ce que c'est un axe, en fait, l'axe le plus important dans ce comics-là? Oui, parce que c'est vrai que Les comics, tu sais, t'as deux styles de comics. T'as vraiment les comics avec justement ce que tu parles, la maturité, avec des choses bien établies, avec des codes et tout. Et puis t'as les comics un peu plus qu'on appelle funny tale, qui sont un peu plus drôles. Et nous, on est des gamins des années 80. Oui. Donc on a grandi avec les anciens Marvel, les anciens DC Comics. Où vraiment, on est sur ce côté très mature finalement, où il y a des enjeux à la fois humains et à la fois extraordinaire. Oui. Donc on essaye d'avoir cette balance et surtout de contrebalancer un petit peu le ridicule qui est en train de naître souvent dans des œuvres de comics. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, tu as des œuvres satiriques comme The Boys,
ou comme Invincible ou ce genre de choses. Qui se tient de bout en bout, qui reste hyper mature en fait. Exactement. C'est juste les personnages qui sont cons, mais en fait ils sont traités de manière hyper subtile. Tout à fait, mais le truc c'est que la satire a remplacé la normalité. Oui, bah oui, c'est ça. Ouais. Et nous on essaie de remettre les choses un peu comme nous on les a connues, les vieux réacs. C'est dans les règles des choses aussi à un moment donné. Tout à fait. Les œuvres de Frank Miller, par exemple, dans les comics, c'est l'évolution des personnages. Lui, c'est un vrai écrivain, c'est un vrai scénariste. Du coup, l'évolution de ces personnages sont beaucoup plus poussées que le reste. Mais justement, on intègre ce genre de choses. Ouais. Par exemple, il y a un gros dilemme chez les super-héros, est-ce qu'on tue ou est-ce qu'on tue pas ? Tu vois, et sans trop spoiler, la première scène où on est en combat, en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde se pose la question, mais on tue pas ? Ouais. Et au moment où on se tourne, on a un personnage qui est assez massif, il a déchiré un gars en deux, tu vois. Ouais. Tu vois, donc on a ce côté un peu aussi hardcore, si tu veux, un peu burlesque. On traite aussi, il y a une certaine vision aussi du monde des sociétés secrètes et de ce genre de choses-là qu'on a intégré. Mais on essaye, tout en étant sérieux, aussi d'avoir des petites touches où il faut d'humour et de détente, parce que les sujets sont assez lourds. Voilà, il faut pas déconner. Du coup, chaque volume était soit dessiné, soit écrit par quelqu'un de différent, c'est ça ? C'est ça. Nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est que... à l'instar de ce qui se fait aux États-Unis, tu peux avoir les Action Comics ou les Strange qu'il y avait à l'époque. À chaque intrigue, t'as un style graphique différent, ce qui fait que tu te lasses pas. Des fois, t'as des graphic novels, bon, c'est très bien aussi, qui sont dessinés tout le long par les mêmes dessinateurs. Et moi, je me rappelle dans mon enfance, quand on passait par exemple de John Romita Jr. à Jim Lee, mais je le voyais directement. Et puis, Ça me donnait un peu. Et puis, t'as ce petit jeu de reconnaître le dessinateur à chaque fois et le style. Et voilà, donc, à l'instar de ce qui se fait aux États-Unis, parce que c'est quand même le berceau des comics, même si on le fait à la française et que nos héros sont français, à l'instar de ce qui se fait aux États-Unis, avoir un style graphique différent aussi pour justement que le lecteur ne soit pas trop. Je trouve pas trop ça redondant. Ça vient aussi du fait qu'on a rencontré des gens, des illustrateurs extrêmement talentueux qu'on a mis à contribution, qui ont envie, qui ont des styles différents mais qui sont super intéressants. Ouais. Du coup, ça vient aussi du fait qu'on a que beaucoup de gens nous ont suivis. Du coup, on a le choix un peu d'aller travailler avec des artistes différents. Et du coup, ça donne de la richesse un petit peu. Ah bah oui, non mais c'est sûr. Pourquoi vous avez choisi le format comics ? C'est à cause de votre culture ou est-ce que c'est parce que par exemple le manga, je crois, se vend mieux en fait en France que les comics. C'était un choix purement culturel, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, là, si tu vois le TGS, de toute façon, on est à 90% du manga. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on va pas se tourner vers le manga à un moment donné, puisque justement, ils vont voyager, nos personnages, et chaque fois qu'ils changent d'univers, ils peuvent changer de style. On peut changer de style graphique. Le truc, c'est que effectivement, nous, on est des enfants des comics quand on était jeunes. On a vu le manga arriver avec le Club Dorothée, comme tout le monde. Oui, bah oui. Et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une bascule culturelle au niveau de la bande dessinée. Et nous, on trouve dommage que le comics commence à disparaître finalement. Ah oui. L'intérêt pour le comics, et d'ailleurs, quand moi j'ai créé ma chaîne Geekology Comics, c'était vraiment pour ça, pour relancer l'intérêt du comics, montrer une vision du comics comme nous on l'a eu quand on était dans les années 80, parce qu'on consommait du comics vraiment de la même manière que les gens consomment du manga. Ouais. Le problème, c'est que maintenant le comics est devenu hyper dispendieux aussi. Donc voilà. Donc c'est le même marché en fait. Oui, voilà. Le manga est vraiment cheap, pas cher. On est plus alors dans que l'élitiste, ouais. Et plus dans les prix en fait de la BD franco-belge, quoi. Voilà. Et nous, ce qu'on voulait, voilà, c'était relancer un petit peu l'intérêt. Et puis notre communauté répond favorablement parce que la plupart d'entre eux venaient du monde du manga. Ouais. Et on les voit aujourd'hui, ils commencent à nous demander des conseils sur les comics. Ils se remettent aux comics. Puis avec tous les comics qui sont en train de sortir, avoir les références et tout. C'est vrai que nous, c'est un peu notre cheval de bataille. Moi, ça m'arrive un peu de pester. Il y a beaucoup de gens, sans critiquer les autres youtubeurs, mais qui parlent de ces sujets-là sans avoir le background, sans avoir les références. Avant, tu sais, quand tu commences ta vidéo en disant « Bon, ben, j'ai pas lu le comics, mais je connais l'histoire un petit peu. » Nous, on a lu les comics. Nous, on a cette culture-là. Oui. Et c'est pour ça qu'au lieu de râler après eux, nous, on a créé notre chaîne, on a créé nos trucs. Et John, c'est pareil. John, lui, il arrive avec son côté artistique. On a les mêmes. Pourquoi on a accroché ? Parce que la première fois que j'ai vu John, moi, sur YouTube, j'ai dit, bah, c'est un gars comme moi. Mm. Donc tout de suite, je l'ai contacté et le groupe, ça a explosé. Hein. Voilà. Là, je crois qu'aujourd'hui, on est une dizaine, mais tout et pour tout, je crois que le groupe, on va dire, actif des VDK,
doit être une cinquantaine. En fait aussi, pourquoi pas la BD franco-belge aussi, parce que c'est je vois pas pourquoi culturellement ça pourrait ne pas être la franco-belge. Exactement, et c'est pour ça qu'on travaille avec notre coloriste Christian Favrel, qui est un coloriste en France hyper doué et connu. Par exemple, lui, il a travaillé sur Les Pompiers, je sais pas si tu connais Les Pompiers, tout ça. Pourtant, tu vas à Cultura, tu ouvres une BD, une sur deux, tu vas voir son nom à la couleur. Donc voilà, et le gars il nous amène aussi ce côté franco-belge. Oui, nous en fait c'est assez hybride hein, parce que par exemple tu vois Maxime qui dessine les premières intrigues du comics, c'est hybride manga, un peu à l'instar de ce que va faire un Jorge Jiménez ou de ce genre de choses. On est comics manga et c'est très joli à regarder. On a Ismaël qui lui plutôt du Alex Ross, tu vois, c'est de la peinture hyper réaliste. Et on a Nasser qui est là au stand et qui lui vraiment il a ce style comics franco-belge aussi, il a les deux. Ouais. Donc on essaie de trouver un côté hybride parce que le marché qu'on attaque c'est quand même le marché français. Et donc à partir de là, ils sont habitués au franco-belge. La BD, enfin le comics pardon, il sort, vous le prévoyez une sortie quand? Est-ce que vous le faites physique déjà? Oui, oui, est-ce oui. que et enfin physique et numérique du coup. Oui. Et vous prévoyez la sortie quand du coup? Et là, on va commencer vraiment les planches de l'intrigue principale parce que là, ce que tu as, c'est un extrait, c'est un sneak peek. Ouais. En fait, on a pris un futur personnage du comics et en fait, on a fait un contre-champ. C'est-à-dire qu'elle regarde nos aventures, mais vu de son côté à elle. Donc elle, c'est une blogueuse qui existe dans la vraie vie. Elle s'appelle Nora, on lui fait un petit coucou. C'est une blogueuse qui s'intéresse à tout ce qui est paranormal, le monde des mystères et ce genre de choses. Et en fait, elle filme les événements, mais de son smartphone. Ah oui, d'accord. C'est ce que tu vois dans le sneak peek. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus. Mais le comics, vraiment en tant que tel, on va commencer au mois de mai, les premières planches. Donc, il faudra compter, je pense, entre décembre et mars pour la sortie. Et ça veut dire qu'il n'y aura pas une version numérique avant? Elles vont sortir les deux en même ouais, temps. Ouais, ok. Par contre, les story origines qu'on est en train de faire, elles sortiront d'abord en numérique, d'accord. En attendant le tome 2. Est-ce que vous voyez d'autres comics qui vont sortir sur cette maison d'édition? Oui, certainement. Bon, il y a beaucoup d'artistes qui me contactent là en ce moment justement pour me proposer leurs histoires. Bon, c'est vrai que là, on est concentré sur ce produit-là. C'est notre tout premier produit. On arrive dans un milieu... on vient tous les deux de l'industrie du disque à la base et c'est pas tout à fait pareil, l'édition musicale et l'édition... C'est méga concurrentiel aussi, j'ai l'impression. Voilà, et donc on a Christian qui nous guide vraiment là-dessus. Donc là, on se concentre sur ce produit. Et voilà, c'est une aventure humaine avant tout. Et donc pour l'instant, avant de proposer nos services à d'autres, parce qu'il y a des gens qui ont du talent, on a des gens parmi les VDK qui écrivent beaucoup, qui ont des scénarios. Donc voilà, et puis même John, hein, ne serait-ce que la petite idée qu'il a donnée pour son personnage, ça a créé quasiment un lore à côté. Ah oui. Donc du coup, son personnage va avoir sa propre, existence. Quoi. C'est toujours le même problème avec les super-héros, c'est qu'à un moment donné, l'univers peut tellement être immense que ça en devient un monde à part. Quoi. Exactement. Et bah super, bah écoutez, bah merci beaucoup en tout cas d'être venu passer nous voir. Merci de nous avoir reçus. Voilà. On va suivre ça avec attention de toute façon. Plaisir. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.